Selon moi, c'est un gros centre belle. Mais je vais vous dire que j'ai pas encore fini. Il me reste beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais je vais juste vous montrer ce que j'ai fait juste à un moment et vous pouvez me dire ce que je pourrais faire d'autre pour l'améliorer. Donc voici le mur principal du devant. Voilà. C'est ça. Ici, nous avons l'entrée principale. J'ai pas encore fini. Ici, je vais faire une grosse billetterie. Et juste en dessous, je vais faire la cage au sport du Centre Bell. Cage au sport, c'est un restaurant pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, je vais vous montrer tout de suite la glace. Comme ça, ce qui est le meilleur. Voilà. Je vais juste vous montrer en bas. Ici, c'est la personne qui s'occupe des punitions. Nous avons le bas de punition visiteur, bas de punition du Canadien. Ceci. Ensuite, ici, ça dit arbitre, concierge et arbitre seulement. C'est seulement eux qui ont le droit de passer par ce petit chemin pour se rendre dans leur pièce que je vais vous montrer à l'instant. Ici, c'est le coin du concierge. Et ici, c'est le coin, la chambre des arbitres qui mène directement à la glace pour pouvoir arbitrer. Bref, vous avez compris. Ensuite, si on revient en arrière, voilà. Ensuite, on va ressortir. Je vais vous montrer directement ce que il y a juste ici. Ici, c'est les parkings VIP. Parking VIP. Voilà, donc eux qui ont leur parking VIP à eux au Centre Bell, ils viennent juste ici pour se garer pendant les matchs. Et voilà, le parking. S'ils n'ont pas eu le temps d'acheter leur billet, il est marqué billet pas encore acheté qui mène dans un long couloir qui mène à la billetterie et qu'on me fait voir. Ça les mène à la place qu'on était tantôt, que j'ai oublié de vous montrer. Alors c'est d'ici. Ensuite, nous avons ici billets déjà achetés et vont prendre cet escalier pour se rendre immédiatement à la patinoire que je vais vous montrer maintenant. Donc, et voilà la patinoire avec les estrades. Ensuite, en haut, oh, merde. En haut, juste ici, je vais faire des grosses loges. Comme vous pouvez voir, il y a plein de places. Je vais faire des loges VIP pour ceux qui ont l'argent pour en avoir. Là, on est arrivé par ici. Donc voilà, je vous montre ça. Ensuite, je vais vous montrer l'autre côté de ce qu'il y a. L'autre côté, où que le mur est fini. Ouais, il manque encore le toit, les murs à faire. Juste un mur de fini. Et c'est le mur qui est juste devant ici. Voilà. Et oui, il y a quatre portes de garage. Ok, juste pour vous dire avant, celle-là et celle-là se relient. Par contre, celle-ci ne se relie pas aux trois. Ok, je vais vous montrer ça immédiatement. Ici, ça dit parking personnel. Ça, c'est ceux, je veux dire, personnel, mais ceux qui travaillent à l'aréna, mettons, parking arbitre, parking commentateur, comme tout ça. Ici, nous avons journalistes et commentateurs qui prennent ces escaliers pour se rendre immédiatement en haut et pouvoir commenter la game, mettre les points et tout. C'est ça que ça sert les leviers, à mettre les points. C'est à partir de là qu'il filme la game aussi. Donc voilà le premier garage qui ne se relie pas aux autres. Les trois autres que je vais vous montrer se relient. Donc ici nous avons parking autobus CH. Ça c'est le parking d'autobus qui sont en réparation. Parce qu'il y a trois autobus. Au cas où qu'une se brise, ils vont prendre ces deux autres-là. Qui se met juste ici. Je peux pas. En tout cas. Ça. Ensuite, nous avons ici un parking, une porte de garage tout court qui montre les quatre buts de rechange que vous pouvez voir ici. Ça, c'est la glace
la glace. Ici, nous avons les deux buts, ok? Non, les deux buts, putain. Les deux buts sont là, les deux buts de rechange. Et nous avons les deux Zambonis, comme ceci. De eux qui font la glace toujours. S'il y en a une qui se brise, elle va aller ici se faire réparer. Ou là-bas. Et ça va être une des trois Zambonis ici qui va prendre sa place. Ensuite, ici, ça dit but et autres à réparer ou de secours. Donc, ici, la Zamboni va se faire réparer. Mettons qu'elle est brisée. Ici, le mécano. Ici, nous avons plein de buts de rechange sans filet. Au cas où que des buts de rechange, tout court. Comprenez? Donc voilà, tout ça sur les trois là se relient. Ensuite, désolé si j'ai la misère à parler. C'est juste que j'oublie mes mots puis tout. Nous avons ici parking, autobus, visiteur. Où je m'en mêle, là, tu sais. Ici, c'est le parking de l'autobus visiteur qui vient s'égarer ici. Les joueurs avec leurs poches et leurs bâtons vont prendre ce couloir pour se rendre immédiatement à leur chambre et l'entrée sur la glace. Voici leur chambre. Comme vous pouvez voir, ça c'est. Je pense que vous avez déjà constaté que ça c'est une personne, ça une deuxième, une troisième. Nous avons installé des petites poubelles, une table avec des poubelles ici. Ici, nous avons des toilettes et des douches pour qu'elles puissent se laver. Ensuite, si on sort d'ici, ici, ça dit entrée joueur canadien CH parking. Ça, c'est le parking des joueurs et l'entraîneur qui viennent se parquer ici avant les matchs pour jouer justement après. Voilà. Comme ceci. Si nous avons l'entrée principale sur la glace. Ensuite, ici, je vais vous montrer le banc des visiteurs que j'ai oublié de vous montrer. Ici, ils mettent leur bâton. Et ça, c'est le banc. Ça, c'est le banc du Canadien. Ici, ils peuvent mettre des trucs. Ici, ils mettent leur bâton. Salle d'équipement. Ça, c'est une salle d'équipement. Je vais vous dire que c'est pour mettre les. Mettons qu'ils commandent plein de patins, les équipements, les bâtons, le tape, de supervision, les épaulettes, tout. Ils mettent ça juste ici. Comme ceci, j'ai fait ça comme ça. Ensuite, couloir du Canadien, chambre et meeting. C'est le couloir principal. Qu'ils prennent. Je vais vous montrer le chemin qu'ils font. S'ils sortent de la glace, ils vont prendre ce chemin comme ça ici. Clac, 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 clac. Ils vont prendre, ils vont mettre leurs gants, leurs bâtons juste ici. Ils vont aller se rendre immédiatement à leur chambre qui est là. Ça, c'est pas leur chambre, ok? Ça, c'est leur meeting d'avant-match. Comme ceci, le coach parle au milieu. Ensuite, ici, nous avons la chambre des Canadiens. Ok, je veux vous dire avant que je me suis pas fié. Je me suis pas fié à une image de Google pour la chambre, ok? J'ai fait ça comme je le sentais. Ça, c'est une personne, une deuxième, une troisième, une quatrième. Il veut voir qu'ici, c'est plus grand. C'est pour les deux goalers. Gardien. Oui, il y a deux étages. Ça, c'est pour se laver les mains sur le robinet avec des petites toilettes ici et des douches. Ensuite, nous avons la deuxième étage que je vous parlais il y a quelques instants. Ici, nous avons trois réfrigérateurs. Ils peuvent faire cuire leurs trucs pour manger et faire l'après-match avec un écran géant. Ils peuvent se mettre sur le divan et ça c'est sur les bancs. Sur les bancs, et ça c'est pour regarder leur match, leurs erreurs, s'ils ont gagné et les autres matchs des autres équipes. Ensuite, si on revient en arrière, comme ça. Ah, il n'y a pas de porte ici. Il y a juste une à l'intérieur. Je vais améliorer ça. Si tu vous prenez ça ici, ça va amener entrée. Ça, c'est une entrée que je vais vous montrer après. Par contre, ici, nous avons une autre porte de garage.
parking autobus canadien. Ça, c'est le parking autobus canadien qui vient ici. Et les joueurs prennent ce petit couloir qui mène directement ici à leur chambre qui est là. Ils vont comme ceci ici. Ça, c'est leur, je vais vous montrer, ça, c'est la glace de pratique où ils font leur pratique avant et après le game. Ok, ça, c'est où ils pratiquent. La glace de pratique. Il y a pas de match qui se fait ici, c'est juste pour les pratiques. Ici, nous a fait deux bancs, un plus grand, un plus petit, je sais pas pourquoi. Ça a fait ça de même, comme ceci. Ensuite, ici, nous avons les Zambonis. Une qui fait la glace. Cette fois-ci, il n'y en a pas deux, mais juste une. Ici, nous avons deux Zambonis de supervision. Ici, c'est l'autobus. C'est pour sortir dehors. Ensuite, ici, c'est un chemin qui mène aux deux bancs. Ici. Ici, un autre chemin qui mène. C'est ici qu'ils mettent les buts de rechange. Voilà. Ceci et voilà, ça mène à leur chambre et le meeting. On sortit dehors immédiatement. Voilà, c'est l'heure de ça. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est qu'il va avoir un bord, un grand bord. Ici, je vais faire des petites boutiques. Des petites, petites boutiques, pas des grosses. Ça, c'est des chemins qui mènent à la game. C'est un chemin qui mène. Qui va mener au restaurant. Et en bas, nous avons la billetterie. Ensuite, il y a d'autres chemins, d'autres côtés. Ça, c'est des escaliers qui mènent à la glace. Voilà, nous avons d'autres entrées qui mènent à la glace. Ici, nous avons ici au parking que je vous ai montré tantôt. Donc, dis-moi ce que je préfère de plus sur dans mon centre-ville. Ça m'aiderait beaucoup si vous m'aiderez. Donc, voilà. Merci beaucoup.